Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis pour cette nouvelle méditation de vous proposer de nous intéresser à nos reins, les reins qui travaillent en hiver, les reins qui travaillent lorsque les jours sont courts, ont besoin de notre soutien. Installons-nous assis sur le bord de la chaise avec les pieds bien à plat, la largeur écartée de la largeur des épaules. Et les angles droits entre les pieds, les jambes, les cuisses et le tronc jusqu'au sommet de la tête. Et nous pouvons aussi nous installer en tailleur ou même peut-être nous allonger. Plaçons nos mains l'une contre l'autre devant la poitrine, tranquillement les rapprochant de telle sorte qu'à un moment on sente comme une conversation entre les deux mains, une attraction. Et doucement, doucement, laissons les deux mains se toucher. Et derrière les mains, sentons que nous permettons à notre cœur la détente. Prenons un instant pour détendre tout notre volume intérieur, depuis le sommet de la tête jusqu'au plancher pelvien, jusqu'à la racine des pieds, jusqu'aux pieds, à nos racines. Observons les tensions de la peau, les tensions des organes sensoriels, les tensions des articulations, les mâchoires, les épaules, les mains. Observons les tensions du souffle et les rétentions du souffle. Et petit à petit, laissons-nous entrer dans une grande détente et un souffle de plus en plus bas et paisible. Détendons jusque à tous les muscles du ventre, les muscles profonds et ceux des cuisses, des mollets et tous les muscles des pieds. Sentons nos petits orteils. Sentons aussi, par exemple, le haut de l'oreille. Et prenons conscience que notre volume interne se trouve dans un espace plus grand. Prenons conscience de la pièce où nous sommes et des murs, et puis du village, de la ville, du jardin, ou du parc, de la campagne, la montagne, la mer. Prenons conscience du ciel et des étoiles. Tout autour de la Terre, au plus loin possible. Et il y a des étoiles. Et si nous nous détendons encore davantage, si nous ouvrons les yeux internes, permettons-nous de devenir conscients et sensibles à tous ces rayonnements. Dans cette tranquillité, nous pouvons maintenant nous connecter à l'étoile polaire, à la Terre. Nous connecter, ça veut dire y penser avec le cœur et ça veut dire les autoriser à pénétrer dans notre corps. Connectons-nous aussi avec tous ceux qui vivent en même temps que nous. Qu'on les connaisse, qu'on ne les connaisse pas, qu'on les aime ou pas. Et que ce soit des pierres, des animaux, des plantes. Que ce soit des astres.
saluant tous ceux qui vivent en même temps que nous. Même si on ne les aime pas, même si on ne les connaît pas. Saluons ceux qui étaient avant nous, même si on ne les connaît pas, parce qu'ils sont trop anciens, jusqu'au batracien. Et ceux qui viendront après. Et enfin, plaçons toute cette méditation dans la vibration des grands êtres. Les huit immortels, Yang, Maître Chia, et d'autres grands êtres, si nous le souhaitons. Et puis, relions-nous les uns avec les autres, relions-nous nous-mêmes à nous-mêmes. Et cherchons en particulier à penser à nous reconnecter avec le moment de la naissance et celui de la mort. Nous ne connaissons ni l'un ni l'autre, puisque nous avons oublié le premier moment et que nous ignorons le deuxième encore. Mais nos reins sont reliés à ces moments. Entrons doucement par notre attention dans une respiration qui concerne plus l'arrière des poumons pour aller pousser le diaphragme sous les poumons plutôt vers l'arrière, de façon à ce que ça masse les deux reins qui se trouvent à l'arrière, dessous, à peu près au milieu du nombril, à l'arrière, ou plutôt le milieu des reins au niveau du nombril. Détachons nos mains si nous le voulons et posons-les l'une contre l'autre ou l'une en face de l'autre. Prenons un instant pour chercher à repérer nos reins. De chaque côté de la colonne vertébrale qui est assez large à cet endroit, et qui peuvent, si la respiration est ample, monter et descendre de près de 10 cm. Sourions, sourions-nous, sourions à notre naissance, à notre mort, sourions à nos reins. Sourions à notre vessie, qui est l'organe secondaire des reins. Et détendons-la. Parfois, nous fatiguons notre vessie en refusant de l'écouter quand c'est le moment d'aller aux toilettes. Parfois, nous la fatiguons parce que nous ne réglons pas les difficultés qui la toxiquent, la polluent. Parce que nous ne buvons pas assez ou que nous buvons trop. Doucement, sourions, saluons notre vessie qui se trouve à l'avance du pubis, sous l'os du pubis. Et maintenant, imaginons devant notre front un visage rayonnant. On peut imaginer une sirène aussi. On peut imaginer un paysage dans les bleus, bleu nuit, avec la mer, l'eau, qui est l'élément des reins. On peut imaginer absolument ce qui nous viendra à l'esprit et au cœur, qui nous aidera à nous connecter à l'élément eau des reins, à leur apporter de la lumière. Ça peut être simplement une belle sphère bleue, comme la mer.
peut-être bleu sombre, comme la mer la nuit. Sombre, mais toujours brillant. Un peu comme les peintures de Soulages. Et là, depuis ce que nous avons placé devant nos yeux, le troisième œil devant le front, respirons. Respirons par nos trois yeux, les deux yeux qui regardent cette sphère ou ce paysage, et par l'espace entre les deux sourcils. Invitons cette lumière bleue à pénétrer à l'intérieur de notre front, à aller vers l'arrière et ensuite à descendre gentiment, tout droit, jusqu'à ce que ça arrive au niveau de nos reins. Et là, ben on peut aller de chaque côté pour aller amener ce bleu à chacun de nos reins, le rein droit et le rein gauche. Sourions. Et chaque inspiration, on peut aussi, si on a du mal à suivre le circuit que j'ai donné, on peut aussi demander à l'énergie d'aller directement, on ne sait pas trop comment, mais elle, elle sait, d'aller directement depuis cet espace que nous visualisons devant nous jusqu'au rein. On ne sait pas par où trop ça passe. Mais nous avons l'intention d'amener cette couleur, cette vibration qui va aider les reins, qui va purifier l'eau que les reins filtrent, qui va renforcer tout le rein. Et nous allons commencer à demander à nos reins à pulser. C'est-à-dire, nous pouvons choisir d'être en accord avec notre rythme respiratoire et nous allons simplement inspirer en demandant au rein gauche d'abord de se déployer un petit peu. Donc on va respirer peut-être un peu plus avec la narine gauche, le poumon gauche, faire descendre le diaphragme à gauche davantage. Et faire gonfler le rein en même temps que le souffle. Et à l'expire, le rein diminue comme le poumon et l'air remonte. Ensuite, passons à droite. Inspirons à droite. Amenons ce bleu. Laissons grandir le rein et à l'expire, laissons-le se rétrécir, se refermer légèrement et nous renvoyons la couleur. Puis, inspirons avec les deux narines, aspirons le bleu avec nos trois yeux et amenons-le maintenant à nos deux reins. Inspirons. Sourions, respirons en écartant nos reins l'un de l'autre parce qu'on respire vers le dos et tranquillement mais profondément. Expirons et nous pouvons laisser cette fois tout ce qui sort de nos reins au moment où ils se referment descendre vers la terre comme une eau sale. Toutes les fatigues des reins, tout ce qui crée leurs calculs, toutes les peurs, les traumatismes, tous les souvenirs de peur, et on va recommencer. Inspirons.
Un se gonfle et on va faire le son T-C-H-O-U comme un petit train. Que nous allons pousser jusqu'à ce que nous ayons l'impression que nos côtes sont refermées comme un parapluie et que nous avons, avec les muscles en dessous du ventre, sommes en train de d'essorer nos reins. Nous inspirons la force, la stabilité, la douceur, la bonté et la volonté dans nos deux reins. Restons un instant en apnée, inspire et offrons ce bleu que nous respirons toujours par le nez et par nos trois yeux. Et dans cette apnée, inspire, nous permettons à nos reins de profiter du chi de l'inspiration, du chi de l'aspiration, du troisième œil. Et expirons et profitons de ce surcroît d'énergie pour expulser l'excès de peur et les souvenirs traumatiques, pour les désactiver. C'est pas qu'on va les oublier, mais c'est que ça ne fera plus ni chaud ni froid. Jusqu'au bout. Inspirons. Expirons. Commençons ensuite à imaginer la planète Mercure. Et par le troisième œil, pour l'inviter à amener son énergie à l'intérieur de nos deux reins, puisque c'est la planète qui est en relation avec eux. On peut aussi utiliser comme base d'entrée pour cette énergie de Mercure l'arrière du crâne. Et on respire cette couleur par l'arrière, par les trois yeux. Et la puissance de Mercure. Et on l'amène dans nos reins. Un instant, cessons de commander quelque chose. Invitons simplement Mercure à entrer dans nos reins. Faisons comme une relation entre la planète et nos reins. Et observons s'il y a quelque chose qui influe, qui arrive. Observons notre état mental, notre état émotionnel, notre paix. Nous pouvons imaginer nos deux reins comme des poissons qui nagent dans une eau sombre et belle, remplie de l'énergie de Mercure. Et on peut se détacher des limites des reins, des limites physiques des reins, et se sentir dans les limites beaucoup plus spacieuses de l'énergie. Dans nos reins énergétiques qui vont très loin. Et invitons à nouveau la pulsation reliée à Mercure et permettons-lui d'aller loin et de nettoyer chacune
les couches de notre corps énergétique. Est-ce que nous sommes tranquilles? Est-ce que nous arrivons à sentir nos reins? Est-ce que nous pouvons sourire dedans et comme respirer dedans, entrer dedans? Nous avons, je crois, 1 million de néphrons qui sont les petites parties du rein qui servent à filtrer l'eau. Et donc nous pouvons respirer dedans dans le rein physique et puis dans toute l'étendue de nos reins énergétiques. Apportons de l'amour, de la joie, de la paix. Entrons dans une pulsation qui petit à petit va s'installer. À se promener. Gardons la langue entre le palais avec les mâchoires desserrées. Sourions doucement avec les commissures des lèvres. Restons en contact avec le ciel, la terre, la mer. Avec le bleu que nous puisons dans nos trois yeux. Avec l'énergie de Mercure. Et sentons nos reins comme des poissons qui nagent. Et on dit que la vie est bordée par deux peurs, celle de la naissance et celle de la mort. Alors laissons-nous tranquillement dans la puissance de la bonté des reins, dans la paix des reins, laissons-nous tranquillement imaginer ou envisager ou simplement embrasser en ouvrant notre cœur ces deux moments. Plaçons-les dans l'énergie des reins, dans leur douceur. Et tranquillement, nous pouvons demeurer ainsi, le temps qui nous plaira. Merci. À bientôt.